Merde, y'a pas internet. Oh putain, oh putain. Désolé. Pardon. Mais putain, y'a pas internet. Ça m'énerve. Hein. Salut tout le monde. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, ben, on va parler de internet. Et internet, il y a les hors connexions. Et les hors connexions, c'est super chiant. Eh oui, je suis désolée, mais les hors connexions, mais ça devrait pas exister, ça. Mais attends, alors déjà, toi tu t'énerves, toi t'es là, mais t'as la rage. Tu veux lancer ton ordinateur par la fenêtre et ne plus en parler. Et deux minutes après, tu dis, oh. J'aurais pas dû lancer mon ordinateur par la fenêtre. Putain. J'aurais pas dû. Je regrette. Et voilà, mais c'est juste dans ces moments-là, quand il n'y a pas internet, que tu voudrais que tu voudrais faire péter tout. C'est ça. Et il y a le mec aussi qui arrive à tout faire. Enfin, quand il n'y a pas internet, par exemple, il est calme, il reste calme. Et il nous engueule. Mais reste calme. Enfin, il faut pas s'énerver pour quelque chose comme ça, regarde. Et en général, le mec comme ça, eh ben, il arrive à tout faire. Je sais pas pourquoi. Mais je crois que lui, il met, nous, on n'y met pas de la bonne volonté. Je crois que nous, on y met de la mauvaise volonté. Ouais, ouais. Mais je sais pas, il arrive à tout faire. Par exemple, l'autre jour, j'étais avec lui. J'étais avec un mec qui sait tout faire. Et il m'a dit, mais non, mais faut pas. Faut être calme, enfin. Qui t'a dit de t'énerver? Non, regarde, c'est facile de mettre internet. Et voilà. Je dis, mais comment t'as fait? Il me dit, ben moi, je suis calme. Je suis pas énervée comme toi. D'accord. Ben, c'est plutôt bien, hein. Voilà. Ben, si toi aussi tu t'énerves quand il n'y a pas internet, ben, M. Et moi, ben, je vous dis bonsoir.